Je vais demander à Manon, entre 1 et 30, quelle serait la carte que tu aurais envie que je tire? La 12. Ok. Donc ça, j'ai marqué que ce sera la première énergie. Carole, donc on va en tirer 3 pour commencer. Entre 1 et 29, combien? 7. 1, 2, 3, 4, 7. Donc ça, ce sera la deuxième. Magali, entre 1 et 28. 17. 17. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc c'est la 3. Et voici. Alors, j'ai mis l'humanité qui est l'énergie. J'ai nommé l'énergie. Bah, je ne vous le dis pas. La combien j'ai nommé. Voilà, donc ici on a quatre papiers avec des mots dessus que je ne connais pas non plus. Et donc ce que je vais vous demander, c'est quelle est la personne qui a envie de représenter l'énergie numéro 1. Qu'est-ce qui sent que cette énergie c'est pour elle? Moi je veux bien. Créta. Ok, alors si tu peux mettre sur ta renommée en mettant l'énergie numéro 1, et puis alors tu me dis où est-ce que tu veux que je la mette. Que je la place. Donc, je mets le 1. Je la mets un peu plus à gauche où il y a ta main. Oui, c'est l'autre gauche. Oui, ma caméra est en miroir, donc c'est à droite. Ouais, là, je le sens là. Ici, de ce côté comme ça ou je la tourne? Ouais, comme ça. Comme ça? Oui. Ok. Donc ça c'est toi qui la représente. Ok. Alors l'énergie numéro 7. J'ai nommé la 7. Qu'est-ce qui se sent de Manon? Ok. Et où est-ce que tu voudrais que je la place? Alors vers le bas de la table. Non, justement, le bas vers tes mains, ouais, et dans l'autre sens, par contre. Comme ça? Ouais, exactement. Ok. Ok. Alors, l'énergie numéro 2. Je veux bien. Oui. Alors, où est-ce que tu veux que je la place? Au centre. Ici? Oui. Parfait. C'est la numéro 2, c'est ça? La 2, oui. Merci. Et la dernière, la numéro 3. Olivier, et où est-ce que tu voudrais que je la place? Dessus des deux centrales, là. Voilà, comme ça, mais et dans l'autre sens. Comme ceci? D'accord. Oui? Et donc, ça, c'est le numéro 3. Parfait. Bien. Et donc, maintenant, on va rentrer dans l'exploration. Et donc, je vais demander aux personnes qui représentent ces quatre énergies de se connecter à l'énergie et de me dire comment ça se passe pour eux. Donc, ici, Manon, là où je mets mes doigts. Non, pardon, Greta. Donc, c'est Manon qui avait choisi la carte, mais c'est Greta qui la représente. Comment ça se passe pour toi? Qu'est-ce que tu ressens? Je sens une énergie dans tout mon corps. Et j'ai limite... Je commence à avoir les mains qui transpirent. Donc, j'ai une émotion paralysante et je ne peux pas bouger. C'est la peur de bouger.
Je me sens envahie et je vois flou. Je n'ai aucune clarté. Mmh. Ok. C'est quand même un malaise. Ouais, ouais. Tu es en malaise. Mmh. C'est ok pour toi, Greta? Oui. Merci. Alors, l'énergie numéro 2, Magali. Comment c'est pour toi? Alors, je me sens vaseuse, complètement vaseuse, avec une sensation en fait de gorge nouée, pas de capacité à pouvoir bouger, mmh. Pas de liberté de mouvement en réalité. Oui, c'est vraiment la tête qui tourne, quoi. Très étrange comme sensation et. Ouais, je l'ai ressenti dès le départ. Vraiment avec ce bloc-là au niveau de la gorge. Ok. Et alors, il y a l'énergie 1 qui avait l'air de dire oui. Il y a une connexion entre les deux, en fait. L'énergie 1 qui avait l'air de dire, d'appuyer, en fait, ce que tu es en train de dire. Ok. C'est ok pour toi? Oui. Merci. Alors, l'énergie numéro 3, Olivier. Comment c'est pour toi? Je suis un peu impatient et curieux de voir ce qui va se passer. Oui. Oui. Voilà. Merci, serein. Impatient d'un côté, mais serein de l'autre. Oui, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais oui, tout à fait. Ok. D'accord. C'est ok pour toi? Oui. Ça va, merci. Et alors, l'énergie 7, comment c'est pour toi, Manon? Sensation de pesanteur dans toute la partie gauche du corps. Ça irradie de lourdeur dans la nuque. Et de l'anxiété au niveau de la poitrine. Une sensation de ne pas avoir assez d'air. Ça monte et ça monte de plus en plus. Ok, alors tu peux te déconnecter de la carte si c'est trop fort, hein, et te reconnecter quand on a besoin. Hein. Donc, sensation de manquer d'air. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ressent quelque chose de particulier qui n'est pas dans la représentation? Okay. Par contre, quand, pour moi, quand la 7 a parlé, la dernière, oui. J'ai eu des frissons. C'est intensif. Je suis en connexion avec la 7 aussi. Oui. Et la 7, qu'est-ce que tu entends, Manon, quand Greta dit ça? Ça amplifie les sensations. Oui. Pas forcément désagréable ou agréable, mais comme s'il y a quelque chose. Ça amplifie quand l'énergie 1 parle. Hein. Oui. Ok. Bien. Alors, on va regarder maintenant comment ça se passe. Donc, il y a des flèches sur les cartes. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une vision des directions en fait qui sont prises par les énergies. Donc la carte numéro 1, Greta, tu as dit que tu avais une énergie dans tout ton corps, mais une émotion paralysante, peur de bouger, que tu voyais flou, que tu te sentais envahie, aucune clarté, malaise. Tu as été en connexion avec la 2 et puis aussi avec la 7, qui avait une notion d'amplification pour la 7 quand... donc la 7, tu te sentais amplifiée quand la 1 parlait et toi Greta, tu avais des frissons quand la 7 parlait. Ça. Ok, et donc qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien c'est la profession, c'est justement tout ce qui est professionnel, ça va? Mm-hmm.
Et donc, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que ben, c'est Manon qui avait tiré la carte. Mmh. Donc, c'est Greta qui la représente. Ah. Alors, la numéro 2, Magali. Donc là, c'est Carole qui avait choisi la carte. Et donc, Magali, tu disais que tu étais vaseuse, la gorge nouée, pas de capacité de pouvoir bouger, la tête qui tourne et pas de liberté de mouvement. Et donc, ça, c'est le changement. Donc, c'est assez impressionnant d'avoir la carte du changement. Ça va? Ok. On accueille hein, pour l'instant. Pas d'interprétation. La numéro 3, donc c'est Magali qui l'avait tirée et c'est Olivier qui l'a représentée. Donc là, tu avais une impatience, de curiosité pour voir ce qui va se passer, mais en même temps, tu étais serein. Et ici, c'est les inondations. Alors, ouais, les inondations. Bien. Et la 7, ça c'est Manon qui la représentait. Sensation de pesanteur, la partie gauche du corps qui était plus douloureuse, c'est ça, ou plus en pesanteur. Irradié dans la nuque, anxiété, sensation de manque d'air. Et quand la 1 parlait, il y avait une amplification, je ne sais pas si c'était au niveau du stress ou de tout, ou le fait que tu étais irradié au niveau de la nuque. Ouais, surtout au niveau de l'anxiété. Ouais. Mmh. Ok, et donc ça c'est l'humanité. L'humanité. Ok. Alors, ici, ce qu'on peut voir, c'est juste regarder au niveau des faits. On a l'humanité qui est de ce côté là-bas. On a le changement qui est tout à fait de l'autre côté, mais dans voilà, la direction opposée, mais en tout cas, les cartes sont quand même toutes les deux horizontales. Les inondations qui sont à l'inverse, là-bas, et puis la profession qui est dans le même mouvement que les inondations. Donc, le thème, c'est bien trouver sa sécurité intérieure. Donc, on va faire un petit tour de comment on dit ça, de table. On va faire un petit tour pour voir au niveau du collectif qu'est-ce que ça t'amène, qu'est-ce que ça te fait ressentir, ce qui se pose là dans ces quatre cartes. Manon, comment tu le perçois? Ouais, c'est écrasement. Écrasement, c'est pas agréable. J'en disais ma carte. Oui. Du coup, c'est à ta droite. Encore un petit peu. Ouais, là, c'est mieux. Ok. Là, tu te sens mieux respirer? Ouais, là, il y a plus d'air qui passe. Okay. Moins de pesanteur. Et je retrouve la mobilité dans ma partie à gauche tout facilement. Ok. Super. Bien. Alors, Olivier. Tu m'entends? Non. Maintenant, oui. Ah, autant pour moi. Ok. Oui, je suis supposée faire quoi, là? Alors, quel est ton feedback, ton retour par rapport à ça? Et voilà. Et si tu as envie de faire un changement, c'est possible aussi, hein? D'accord. Je ne saisis pas très bien si on est directement impliqué. Bon, personnellement, effectivement, j'étais très interpellé par les inondations récentes qui ont eu lieu en Belgique, en Allemagne, par exemple. Et curieux des suites pour les personnels même en matière d'organisation éventuelle, ce à quoi je ne crois pas. Mais est-ce que je suis impliqué directement avec cette carte ou bien je représente le groupe ou Les deux. Donc en fait, comme j'ai expliqué tantôt, quand tu tires une carte, quand tu représentes une carte, bah, c'est que ça a vraiment un lien avec toi. Et donc tu vas travailler sur toi et en même temps sur le collectif. C'est ça la force en fait, si tu veux, des constellations en groupe. Donc voilà, ce que tu as exprimé, c'est très intéressant par rapport à ça. Bon, en l'étage, si l'idée c'est de changer la carte de position, que sais-je, en l'étage, non, elle reste là. Okay. Parce que je ne. Voilà, je ne.
Je ne sens pas de modification à apporter en l'état. Je reste attentif à ce qui. Mmh. Ok. Super. Fin d'intervention. Ouais. Ok. Carole. Moi, c'est marrant, j'étais un peu frustrée, j'avais l'impression de pas tout forcément tout saisir ou tout. Par contre, ce que j'ai ressenti tout à l'heure, donc je sais pas, c'est la même chose que l'énergie 7, en fait, une sensation de ne pas pouvoir respirer. Mm-hmm. Au début, en fait, on a démarré la séance, un peu de d'anxiété, je sais pas. Et c'est sur les derniers, là, l'inondation et l'humanité, où ça rejoint beaucoup cette insécurité que j'ai. Autant professionnel, changement, ça ne me parle pas, là. Autant tout ce qui rejoint les inondations, l'humanité, bah oui, c'est toute la problématique actuelle. Mm-hmm. Ok. Voilà, je ne sais pas si c'est de la frustration de ne pas avoir l'impression de tout saisir ou. C'est pas forcément très agréable comme sensation, en tout cas. Mm-hmm. Ok. Super, merci. Magali ? Alors, sensation d'écrasement, de ne pas arriver à bouger, qui s'amplifiait avec quand l'énergie 7 s'est exprimée tout à l'heure. Vraiment, quand l'énergie 7 parlait, j'avais l'impression d'être dans un manège qui tournait à toute vitesse. C'était très étrange comme sensation. Et du coup, j'ai besoin que tu bouges la carte complètement à l'opposé de celle où elle est en face. Alors, Dans l'autre, reste dans ce sens. Elle reste dans le sens où elle est, mais complètement, effectivement, à l'opposé de l'autre carte. Comme ça. Voilà, mais dans l'autre sens, s'il te plaît. Comme ça. Comme elle était initialement. Comme ça. Ouais. Ok. Et pour toi, comme ça, tu te sens mieux ? Ça, je respire là. C'est bizarre. Ah ouais, carrément. Mm-hmm. Carrément. Super. Ok. Toujours cette sensation de tête qui tourne. C'est très bizarre. Et ça, tu l'as encore maintenant ? Ah oui. Ouais. Ok. Je vais te proposer de tirer une carte difficulté pour voir quel est le blocage énergétique du système. Donc, de me dire un chiffre entre 1 et 20. Le 13. Ah ben, c'est demain ça. Ah oui. 12, 11, 12, 13. Ok. Oui. C'est la carte de la tromperie, donc de la blessure de trahison. C'est le blocage du système. Comment c'est pour toi ? J'ai pas trop compris la carte, excuse-moi. Oui. La tromperie. C'est carrément ça, en fait. Aujourd'hui, d'un point de vue général, je pense qu'on se sent trompé par tout ce qui se passe. Mm-hmm. Et par rapport au changement, moi, personnellement, c'est exactement ce qui se passe par rapport à ma société. Effectivement, je me sens trompée, trahie. Mm-hmm. C'est exactement ça. C'est très hallucinant de tirer cette carte, je trouve. Mmh. Vraiment, parce que c'est ça, c'est carrément ça. C'est vraiment le sentiment, je pense, de l'humanité, de tout le monde, et puis moi, de ce que je vis personnellement, ouais. Ok, c'est la... Donc ça, c'est le blocage du système qu'on est en train de travailler maintenant, qui est en lien avec toi et avec le collectif et avec l'humanité. Ok. Ok. Greta ? Moi, je suis complètement repliée sur moi-même. J'ai pas envie de regarder. Je ferme les yeux. J'ai mal au dos. J'ai mal au ventre. Mm-hmm. J'ai l'énergie bloquée. J'ai l'intensification
de ce que je ressentais au début, donc les mains moites, un malaise, une insécurité. Et plus j'écoute ce qui est autour de moi, et plus ça s'intensifie, je ne trouve pas ma place. Mmh. Est-ce que tu veux faire un changement? Ben, comme je ne trouve pas ma place, je ne sais pas, parce que je me dis, je vais aller là où j'ai ma place. Je me sens comme un outil utilisé. Je ne suis pas du tout épanouie et je ne sais pas où aller. Mmh. Et en même temps, est-ce que c'est juste qu'on m'utilise et qu'on me mette, je ne sais pas où me mettre, donc je suis un peu perdue là, je vais attendre encore. Mmh. Ok, si tu as besoin à un moment donné de faire des changements, tu le dis, hein, quand tu sens que c'est juste. J'aurais envie de poser des questions en me disant, bah, qu'est-ce qu'on fait, on avance ou on stagne, je ne sais pas si on peut trouver déjà des solutions, mmh. Est-ce que comme ça, je suis un peu dans l'interrogation. Mm-hmm. J'aurais envie peut-être. Je ne sais pas s'il y a une des flèches sur les cartes, je ne vois pas. Oui. T'as une flèche? Ah. Ah oui. Et là, elle regarde. Elle regarde par où, là, la flèche? Donc, elle est dans la même direction que les inondations et que la difficulté de la tromperie. Ben, j'essaie de comprendre, donc tu peux tourner vers la tromperie, la flèche. Oui. Ah, ben voilà. Je veux comprendre, donc j'ose regarder. Oui. Ok. Ok. Merci Greta. Jessica? Jessica, es-tu là? On t'entend pas si tu parles. Ok. Alors, Ségolène, comment tu vis les choses? Bah moi, j'avais une boule dans la gorge et une boule dans le ventre. Mais à chaque fois qu'il y a eu des mouvements, enfin, il y a eu deux cartes qui ont bougé, du coup, je me sentais mieux. Mm-hmm. Là, j'ai quand même et après, il y a quand même toujours cette boule dans la gorge et dans le ventre qui reviennent. Mmh. Ok. Voilà. Et Ama voudrait intervenir si c'est possible. Oui, oui, bien sûr. Moi, en toute sincérité, jusqu'à présent, j'ai rien ressenti jusqu'au moment où on vient de bouger la carte profession qui regarde la tromperie. Ok. Ouais, il y a un nœud dans la gorge, quoi. Ok. Mmh. Ok. Ok, je vais voir si Mounira est là et après je vais vous proposer certaines choses. Mounira, tu es encore là? Alors on a perdu Mounira et Jessica. Ok. Donc, les boules dans la gorge, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées et qui ont besoin d'être exprimées. Donc ici, en constellation, on travaille sur des phrases qui vont libérer. Ce sont des phrases factuelles. Qui étaient les personnes qui avaient cette sensation de nœud dans la gorge? Magali et... Ouais, l'humanité. Donc, l'humanité... et Magali, toi, tu es le changement, hein. Tu représentes le changement. Ouais. Ok. Manon, comment c'est pour toi par rapport à ce blocage communicationnel? Qu'est-ce que tu penses que l'humanité devrait exprimer par rapport à ce qu'elle est en train de vivre en ce moment? C'est particulier ce que je ressens en fait, parce que depuis le deuxième tour là, je me sens de plus en plus petite, comme si j'étais dans un coin rétracté de l'intérieur. Et justement, c'est cette incapacité à savoir ce que je dois dire. Est-ce que ce serait juste pour toi de dire je me sens interdit d'exprimer ce que je ressens?
c'est ça? Ouais. D'accord. Ok, si tu sais le dire, et si tous les mots sont juste pour toi. Hein. Je me sens interdit d'exprimer ce que je ressens. Ok. Accueil et... Voilà. Un moment de reconnaissance, en fait. Qui se manifeste quand je dis ça. Tu peux répéter là, j'ai pas compris. J'ai un besoin de reconnaissance qui se manifeste quand je dis ça. C'est le mot qui me vient, reconnaissance et accueil. Mmh. Est-ce que c'est juste pour toi de dire j'ai besoin d'être reconnue dans ma souffrance? Toutes des choses en tout cas. J'ai besoin d'être reconnue dans ma souffrance. Ça apaise. Et est-ce que ce serait juste pour toi de dire, moi, l'humanité, je me sens trahie? Alors, c'est pas trahi, c'est je suis. D'accord. Et j'ai peur. Ouais. Et est-ce que tu pourrais définir les peurs? Quelque chose qui viendrait submerger, en fait, qui est beaucoup plus puissant et impactant pour moi. Et en même temps, besoin d'amour. Mmh. Submerger, c'est vraiment en lien avec les inondations, hein. Ouais. Je retombe dans la nuque, j'ai vraiment la nuque, en fait, comme si on m'appuyait sur la tête. Ok, je vais mettre à côté de toi la carte qui représente tes peurs, les peurs de l'humanité. Je vais la mettre dans ce sens-là. Tu vas me dire comment c'est pour toi. Je voudrais que ce soit plutôt... En fait, j'ai envie de les mettre comme ça, les deux cartes, qu'elles se regardent. Alors, est-ce que je change à qu'elles se regardent ensemble, comme ceci? Ouais, et les remonter un petit peu plus, un peu plus au centre de la table, pour le coup. Ouais. Ok. Voilà, c'est mieux. Et ouais, plus de... ce qui me vient là, c'est plus de courage. Ok. Ouais. Tu affrontes tes peurs. Ouais. Ok. Ouais, ça, c'est très présent. Quelqu'un pour représenter la carte des peurs qui n'a pas de représentation. Carole ou Ségolène? Carole? Ouais. Donc, c'est l'énergie numéro 4. Donc, je t'invite à être connectée à cette carte-ci. La musique, du coup, la carte, je l'ai pas vue. Là. Et donc, elle est ici, là où je mets ma main. Comment c'est pour toi? C'est compliqué. Je crois que j'ai du mal à lâcher prise, en fait, quand tu parles de connecter. Je ne sais pas. Toujours une de mes difficultés, en fait, quoi, le lâcher prise et la connexion. Oui, et en même temps, c'est très en lien avec la blessure de trahison, parce que ceux qui ont la blessure de trahison sont beaucoup dans le contrôle, et donc il y a beaucoup de peur derrière. Et donc, c'est si tu veux, c'est le fait de rester dans ces peurs qui fait que tu lâches pas prise. Donc, voilà, c'est intéressant. Donc, ce que je vais te proposer, c'est de prendre le temps, Carole, pour te connecter à cette carte sans j'y arrive pas, voilà, juste
t'es connecté à cette carte et tu te connectes à tes peurs, à toi. Et si je te demande, tiens, qu'est-ce que tu penses, quelle serait la peur la plus profonde dans ce qu'on vit actuellement? La douleur, la violence, en fait. Ok. Ouais. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que tu pourrais dire j'ai peur de la violence, d'être violentée? J'ai peur d'être violentée, j'ai peur de la violence, j'ai peur de la douleur. Mm-hmm. Les autres. Ouais. Est-ce que ce serait juste pour toi de dire je reconnais mes peurs et je les remercie? Je reconnais mes peurs. Maintenant, elles m'empêchent de vivre, donc les remercier, c'est compliqué à dire. Donc, je les accepte, mais elles me gênent la vie, quoi. D'accord. Ouais. Je les reconnais complètement. Ouais. Est-ce que c'est juste pour toi de dire mes peurs, c'est l'amour que j'ai pour moi? Mais elles prennent trop de place. Mes peurs prennent trop de place, mais je ne connecte pas à l'amour. D'accord. Est-ce que c'est juste pour toi de dire je suis en survie? Ouais. Oui, je suis en survie. Ouais. Et je décide de passer de la survie à la vie. Ou j'aimerais arriver à passer de la survie à la vie. J'aimerais arriver à passer de la survie à la vie. Mmh. J'aimerais vivre mieux avec ses peurs. Mmh. Ok. Alors, je vais te proposer, Carole, de tirer une carte transcendance. C'est activer une ressource que tu as déjà à l'intérieur de toi. Donc, si tu peux me dire un chiffre entre 1 et 20. J'ai pas entendu. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. La force de l'ancrage. Ouais, je te vois sourire. Ok, on va le mettre en dessous de tes peurs pour donner. Ouais. Comment ça va pour toi, Carole? Très bien. Ok. Manon, comment ça va pour toi? Alors, tu as parlé de la peur de l'amour pour soi. Mm-hmm. Il y a une émotion qui est montée, envie de pleurer. Mm-hmm. Ça a vraiment résonné. Quand tu as parlé de la violence, par contre, pas du tout. Il y a un truc, à travailler sur l'amour. Il y a un besoin d'ouverture pour l'humanité. Et c'est drôle que ce soit la carte de l'ancrage, parce que moi, ça résonne personnellement en plus. Mm-hmm. Et donc, du coup, j'ai un peu envie de toucher, avec l'énergie de Carole, j'ai un peu envie de mettre la carte de l'humanité sur l'ancrage aussi. Ok, je la mets comme ceci. Ouais, c'est bien comme ça. Alors, je vais l'avancer comme ça, vous voyez un petit peu. Ça va? Oui. Ok.
Et comment c'est pas comme ça quand tu mets la carte dessus, Manon? Comment tu sens? Il y a une sensation de quelque chose qui se pose. Mmh. C'est plus apaisé. Et le fait maintenant de faire face à l'intégralité, on va dire, des cartes et du système, il y a un désir de... Il y a de la vie qui revient. Il y a un désir d'action, il y a un désir d'avancer. Mmh. Ouais. Donc vraiment quelque chose de positif, en fait. Ouais. Mmh. Ok. Comment c'est pour toi, Carole? Avec l'humanité à côté et au-dessus de la carte? Ça me va. Ça me va. On voit que sur ton visage, tu es beaucoup plus libérée. Hein. Ouais. On voit. Ouais. Super. Ok. Alors, les inondations, Olivier, une information que je trouve intéressante à donner au système, c'est que trifouillage climatique ou pas, au niveau factuel, l'eau, ça représente les peurs, ça représente les émotions. Et donc, je trouve que c'est super parlant le fait qu'il y ait ce système d'inondation là. Donc, il faut savoir que même quand les personnes ou le gouvernement veut amener les choses comme il veut, il y a des lois beaucoup plus fortes au-dessus qui font que ça correspond aussi à ce qu'on est en train de vivre et il y a vraiment des choses qui se vérifient au niveau de ce que l'humanité ressent. Donc l'humain, il fait vraiment partie de l'écosystème et le jour où il comprendra qu'il est l'écosystème, il retrouvera sa force. Donc c'est vraiment cette connexion-là et que les éléments qui sont autour de nous, ils viennent nous dire des choses, que ça soit le feu, la purification, que ça soit l'eau, qu'est-ce qui représente la colère, qui représente la non-acceptation des abus de pouvoir et qui représente les émotions. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Et donc, je voulais savoir, Olivier, dans cette configuration-là, avec les changements qu'il y a eu, comment toi, tu te ressens dans la connexion avec cette carte maintenant? Mais je trouve que c'est un élément très négatif, hein, sur lequel on n'a pas une prise directe, dont on est sans doute responsable d'une manière très globale et différée. Et je ne sais pas si c'est possible dans le cadre ici, mais j'avais, pour ramener un élément positif dans l'interaction, envie d'enlever cette carte. Mais je ne sais pas si c'est possible pour en enlever les éléments négatifs pour que ça fasse pencher plus dans une énergie positive globale. Okay. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais c'était l'envie que j'avais. Okay. D'être le maître de l'enlèvement de ce bouillonnement d'eau, tout machin, mais qui est fortement destructeur et tueur, et donc d'apaiser un peu la table en enlevant ce type d'énergie. Voilà. Ok. Alors, en fait, en constellation, il faut savoir qu'on peut tout faire. On explore et on peut enlever, venir ressentir comment on se sent, comparer avant, après. Et on peut aussi soit enlever, déplacer et transcender. Bon, moi, c'est sûr que je préfère la transcendance parce que je pars du principe que tout ce qui est là a une raison d'être et que quand on enlève quelque chose, quelque part, ça va revenir autrement. Donc voilà, par rapport à ça, je te laisse libre de me guider par rapport à ce que tu veux faire. Et... Transcendance, c'est-à-dire, ça veut dire quoi ici? Donc, la transcendance, c'est faire de quelque chose, si tu veux, c'est mettre de la lumière sur les ombres et donc c'est de transformer une difficulté, un blocage en quelque chose de meilleur, d'aller chercher en fait son équivalent, mais à l'opposé. Et comment peut-on faire ça? Alors, comment peut-on faire ça? Donc, moi, j'ai les cartes ici transcendance. On peut aller chercher quelle est la difficulté que tu vis et que tu vis au niveau du collectif derrière. Et on peut aller chercher la carte transcendance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut activer pour pouvoir voir le bon côté de ça et de faire en sorte qu'on puisse apporter les choses. Oui, moi, j'aimerais ça, oui. Donc, on commence par la carte difficulté.
C'est entre 1 et 19 que tu dois me dire un chiffre pour voir qu'est-ce qui se vit en fait derrière ça. La 3. 1, 2 et 3. Ok, et donc c'est encore une blessure de vie, c'est la solitude, l'abandon. Donc la blessure d'abandon. D'accord. Ça te parle ? Ça veut dire des choses, forcément. Comme à tout un chacun, enfin, mais personnellement aussi, évidemment. Ouais, et donc, ce que tu vis en lien avec les inondations, ça va réactiver cette blessure-là à ton niveau. Ça peut aussi voir voilà, les personnes qui sont laissées pour compte par rapport à ce qu'il y a ici en Belgique, qui ne sont peut-être pas soutenues. Voilà, elles sont dans une solitude et ça va activer des choses en toi et ça vient nous dire des choses aussi au niveau du système. C'est plutôt cette lecture-là que j'en aurais. Oui. Tout comme j'ai bien aimé ton explication de l'analyse de l'eau et avant, mais bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la première chose, c'est déjà émotionnellement, c'est d'accueillir la carte, donc comme tu viens de le faire, même si des fois on ne comprend pas toujours, bah, ça vient après. Et puis, de voir, tiens, déjà par rapport à ça, est-ce que si tu te connectes à la carte, tu ressens une différence ? Maintenant qu'on a mis de la lumière sur la difficulté qui était là derrière, est-ce que tu sens une différence ? Émotionnellement ? Oui, je me sens plus impliqué dans cette énergie-là, personnellement. Okay. Plus impliqué, plus responsable. Alors que, bon. Ok, super. Mais... Oui ? C'est ok pour toi ? Oui. D'accord. Oui. Et donc, au niveau de la transcendance, dis-moi un chiffre entre 1 et 19 pour aller voir qu'est-ce qu'il y a en place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh bien, c'est l'affirmation de soi. Alors, comment toi tu vois l'affirmation de toi par rapport à... Par rapport à ça. C'est très interpellant parce que l'eau, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel et justement, c'est l'authenticité et l'expression de soi, c'est vraiment au niveau émotionnel. Mais je vis que malgré tous ces éléments qui touchent pas mal de gens et notre système, que ce soit localement ou internationalement, effectivement. Mais j'essaye, effectivement, et c'est d'ailleurs, ça faisait partie de mon intention, c'est en tout cas dans l'idée d'essayer de rester moi-même malgré tous ces stimuli, pas forcément toujours négatifs, enfin, toujours positifs, mais de rester moi-même. Essayer de quelqu'un qui est bien, essayer des interactions positives entre les gens. Mmh. Donc, non, ça a un sens. Enfin, je peux lui donner un sens en tout cas, et qui correspond à mon intention. Je sais pas où et quand doivent, je vais pas utiliser ce mot, mais se passe. L'interconnexion avec les cartes et mon intention et mon propos. Mais mon affirmation de soi, c'est par rapport à moi-même. Donc, cette carte, si elle doit être posée sur la table, ne doit pas être en évidence, mais doit être sous d'autres cartes. Je ne veux pas écraser par l'affirmation. Ce n'est pas une affirmation de moi. Contre ou par rapport aux autres, c'est une base plutôt pour les autres. Donc, je pense qu'elle peut clairement superposer la solitude d'abandon et on peut positionner les inondations dessus. Donc, on pourrait. Okay.
Alors, je vais faire... Et avec même inverser le sens de la carte affirmation de soi, avec la carte dont la flèche, la seule carte affirmation de soi, dont la flèche serait vers le centre de l'énergie, voilà, et puis mettre les ionisations dessus. Mmh. Voilà. Ok, donc on va... Ça me semble avoir un sens pour moi. Enfin, oui, voilà. On va explorer comment ça... Donc, maintenant, dans cette configuration-là, Olivier, comment tu le ressens par rapport à ton taux? Être plus impliqué dans la dynamique ici du groupe, dans l'énergie du groupe, lui apporter une énergie plutôt positive, une vision plutôt optimiste et positive. Ce que je ne suis pas forcément personnellement de manière générale, mais c'est ce que j'ai envie de lui apporter en tout cas. Okay. Je possède une bonne part de ça et l'apporter au groupe. Mm-hmm. Voilà, c'est le sens de ma de l'idée, la position, du positionnement proposé de mes cartes. Ok. Et par rapport à toi, si tu devais exprimer quelque chose en lien avec ce que tu as ressenti par rapport aux inondations, donc juste en partant de toi, comment tu émotionnellement, comment tu vis les choses? Mais quelque part un peu un sentiment d'injustice d'être privilégié et ne pas avoir été impacté et quelque part un sentiment d'inégalité dans ce qui a impacté dramatiquement une certaine et grande partie de population et d'une manière durable. Okay. Une inégalité dans le traitement et une espèce d'incapacité des pouvoirs pour anticiper ce genre de situation d'une manière récente par rapport à ce qui était prévisible ou prévu en tout cas, mais même anticipé depuis plusieurs années. Je trouve ça assez injuste et révoltant finalement que ça se passe de cette façon-là. Okay. Et que aujourd'hui, certains responsables essayent de réagir, mais plus pour se déculpabiliser, se dédouaner de toute responsabilité possible. Mmh. Donc, non, on ne va pas trouver les responsabilités ou l'origine pour en trouver des solutions. On va essayer de réagir dans l'urgence, comme ça, hein, le temps fera son temps et on oubliera de savoir, de comprendre d'où venaient les problèmes. Et surtout comment les solutionner durablement. Ok. Voilà. Est-ce que ce serait juste pour toi, si je te donne une phrase, voilà, à toi de voir si ça sonne, de dire que pour toi, je me sens mal par rapport aux personnes qui ont été inondées dans mon confort actuel. Oui, c'est assez juste. Oui, c'est assez juste. Est-ce que tu peux l'exprimer dans tes mots? Je trouve relativement juste et inégal le sort réservé à certains par rapport à l'immunité d'autres dont je fais partie par rapport à ces drames récents. Ok. Et est-ce que ce serait juste pour toi de dire que, alors c'est un peu fort de dire ça comme ça, mais j'accepte que chacun est un karma différent. J'accepte le fait que chacun ait un karma différent, certainement, oui. Ok. Et donc je ne porte pas... Je ne porte pas de responsabilité, en tout cas dans les choses négatives ici qui arrivent aux autres, ça c'est certain. Et est-ce que c'est ok pour toi de dire j'accueille ma vie confortable à l'heure d'aujourd'hui? Ça serait un peu difficile pour moi de le dire, par contre. Okay. Oui. Parfait. Donc ne le dis pas, il n'y a pas de souci. Sauf si tu as envie de le dire à un moment donné.
D'accord, j'entends. Donc voilà, je te lance la phrase et c'est à toi de voir ce qui sonne pour toi ou pas. Ok, super. Non, mais je pourrais le formuler différemment. J'ai envie de faire partager mon confort avec d'autres. Enfin, mon relatif confort. Hein, enfin, mais... Ok. Bien. Alors, au niveau de la carte numéro 2, de l'énergie numéro 2 de Magali, comment tu te sens ici dans les changements? Alors, quand la carte de la peur est apparue et qu'elle s'est tournée vers l'humanité, j'ai ressenti, quoi, j'ai été envahie par une sensation d'amour. Voilà, de ressenti, de besoin d'amour, de partage, de voilà, de, je sais pas, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. J'ai été envahie par une vague d'amour, en fait, à ce moment-là, et encore plus quand elles se sont mises l'une en face de l'autre. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et là, ça va quand même beaucoup mieux par rapport au début de la... au début de la constelle, on va dire. Où ça commence à se... Voilà, mais il y a ce besoin de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Donc, je vais poser cette carte ici, de l'amour inconditionnel. Ouais. Je vais la mettre à côté de toi, ou même en dessous de toi. Et tu vas me dire comment ça se passe. Ça va. Ok. Super. Alors moi, ce que j'aurais voulu voir avec profession, la numéro 1, Greta, est-ce que... comment c'est pour toi maintenant, Greta? J'étais complètement dans le même ressenti qu'à ma droite et à ma gauche. Donc, quand la carte de l'abandon est sortie, j'étais pas étonnée. Je sais ce que je ressentais. J'essaie de comprendre et de voir qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et plus on parle et plus je comprends. Mais à un moment donné, avant que la carte de l'abandon sorte, j'étais complètement vidée, mon énergie vitale. Complètement insignifiante. Complètement oubliée. Complètement déconnectée de tout. Et plus ça se dénouait autour de moi, plus les mots étaient expliqués, exprimés, plus je trouvais, plus mon énergie vitale remonte. Et quand elle a dit en face, là-bas, j'ai besoin d'amour, etc., etc., ça me parle aussi, quoi. Parce que moi, je suis en mouvement, en fait. Ok. Alors, je voudrais... Et c'est vrai que je me suis complètement sentie oubliée, abandonnée. Oui. J'attendais mon tour. Ouais. Ouais, ok. Et la profession, hein. Alors, je vais mettre une carte dessus, sans te dire ce que c'est. Et je vais juste voir, un peu comme les opticiens, j'aime bien faire ça. Et juste de me dire comment c'est pour toi avec cette carte qui est en fait une transcendance de l'autre, une proposition de transcendance. J'ai eu mal tout d'un coup, j'ai eu un picot dans le cou à l'arrière. Ouais. Mais je porte pas de jugement, je sais pas si c'est un coup qu'on me donne. Et je sais pas si c'est un coup bienfaisant ou pas bienfaisant. J'avais l'impression que c'était pas bon à la base. Mais je suis vraiment un outil, hein, moi. Je suis vraiment à la merci de Pierre Pojat, quoi. C'est où, comment fait sortir de là, je me sens vraiment pistée. C'est quoi? Je vais te dire après. Je vais demander au changement comment c'est pour toi par rapport au changement de cette carte-là. Magali. Ouais, y a rien qui se passe là. Ok. Rien de spécial. Avant, après, c'est pareil. Ok. Et l'humanité? Moi, il y a eu frisson dans le dos. Et en même temps, je me redresse un peu plus. Après, ce n'est pas par rapport à la carte, mais en fait, j'ai envie de faire des changements sur la table.
Ok, donc là, pour la carte, ça ne change pas. Avant, après, pour toi, c'est pareil. Donc si je l'enlève, ça revient au même. Je crois que c'est quand même quand il y a la carte au-dessus. C'était comment? Attends, Manon. Moi, je préfère quand il y a la carte... au-dessus. Ouais. D'accord, ok. C'est plus stable, c'est le mot qui me vient. C'est plus stable, ok. Alors, ici, j'ai mis, j'ai transcendé la carte de profession en vocation. La vocation, ça veut dire que c'est... Tu n'as pas l'impression de travailler parce que tu fais quelque chose, tu n'es pas dans le travail qui quand même a son étymologie de l'esclavagisme. C'est plutôt de vivre de ce qu'on est. Donc, c'est autre chose, c'est une autre énergie en fait. Ça apporte du sens. J'ai pas compris. Ça apporte du sens. Ça apporte du sens, voilà. C'est un autre sens, oui. Donc, c'est plus un travail alimentaire de survie, c'est un travail qui est lié à l'envie, qui est lié à la raison d'être, qui est lié à la mission de vie ou qui est lié à la personnalité aussi et qui est aussi en constante évolution. Alors, Magali, je te vois dubitative. Comment c'est pour toi? Avec le micro, oui. Je me sens complètement écrasée. C'est très, très bizarre comme sensation. J'ai l'impression d'avoir une tonne sur les chevilles. L'impression qu'on m'a mis des poids sur les chevilles. C'est très, très bizarre. Ok. Et si je fais comme ça? Ça va mieux. Ok. J'ai enlevé la profession. Il n'y a plus que la vocation. Merci. Ah, les deux ensemble, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est super bizarre. Et là, tu te sens mieux. Alors, je vais pas dire ça quand même, mais je sais pas, c'est lourd, lourd, lourd. Je me sens lourde, 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 lourde. Ok, alors on va chercher une carte difficulté pour toi aussi. Donc, c'est. On en a une, deux sur. Donc, c'est entre 1 et 18. Si tu veux bien me donner un chiffre entre 1 et 18. La 10. 10? Ouais. Oui. Ce sont les croyances limitantes. Le blocage. Ça te parle? Exactement. Oui. Oui. Ok. Et on va aller chercher la transcendance du coup. Si c'est ok pour toi. Alors, il y en a 3, donc ça fait entre 1 et 17. Allez, la 17. 17? Ok. C'est la connexion au présent. Vivre l'instant présent. On n'est plus dans la survie hein, quand on vit dans l'instant présent. Ok. Comment c'est pour toi dans ta transcendance de vocation, du coup? Pour moi? Pour Magali. Ah, pardon, oui. Pour, ah, donc là, j'ai fait une Magali changement. Non, pour toi, Greta. Ah, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un amalgame entre elle et moi. Et elle, c'est quoi, elle? La représentation. Le changement. Ah, donc le changement dans la profession... Pour aller vers la vocation. Oui. Okay. Je me sens beaucoup plus... C'est vrai qu'elle a, elle a exprimé ce que je ressentais, c'était la lourdeur. Parce que moi, à la limite, comme on ne me reconnaissait pas, je ne savais pas mettre de mots. En fait. J'étais un peu bloquée. Et là, depuis qu'il y a eu les changements, la transformation et pour la vocation, je me sens mieux. Je me sens plus acceptée. Où j'ai plus ma place. Mmh. Ouais. Et je sais que c'est difficile, je sais que c'est pas évident, mais c'est déjà une porte ouverte pour le pour l'amélioration. Donc je vois de, je j'ai de l'espoir. Mmh. Ok, super. L'énergie est moins lourde, ça se débloque. Mmh.
Alors, on va aller chercher une carte transcendance pour la difficulté de base du système. Mais il faut savoir que toutes les cartes qui ont été tirées ici, ce sont les activations des ressources intérieures qui sont déjà en lien avec le problème lié à la difficulté de base, donc à la tromperie ou la blessure de trahison. Hein. Donc on a l'amour inconditionnel, l'affirmation de soi, la connexion au présent et la force de l'ancrage. Hein. Donc, qui est-ce qui a envie de me donner un chiffre en lien avec la carte difficulté du système? Peut-être quelqu'un qui n'a pas... Ségolène? Est-ce que tu voudrais me donner un chiffre entre 1 et 16 pour aller transcender le problème de trahison? La numéro 4. Ok. 4. Ok. C'est l'amour de soi. Ça te parle, Ségolène? Oh bah oui, j'adore. C'est mignon, ça. J'aime bien. Et à ton avis, comment l'amour de soi, elle peut être l'activation de la ressource intérieure qui va permettre de sortir de cette blessure de trahison dans ce changement sociétal? L'amour de soi, c'est aussi s'accepter soi-même. Mmh. Peut-être l'amour de soi, c'est s'aimer même si on vit les choses difficilement, si on a dur, je pense. Mmh. Ouais. Puis, peut-être que tout part de là au final. Hein, si on ne s'aime pas, on ne sait pas vivre, on ne sait pas vivre avec les autres, on ne sait pas évoluer, on ne sait pas avancer. Je pense que c'est la base de tout finalement. Mmh. Ouais. Et ici, quand on regarde au niveau des cartes, pour avoir l'amour de soi, il est impératif d'aller chercher l'amour inconditionnel. Ici, on voit qu'on va chercher l'amour en haut. Donc, ce n'est pas un amour qui existe là, comme ça, sur la vibration terrienne suffisamment. Il faut aller la rechercher là-haut. Et c'est ça qui va activer les portes du changement. Donc, c'est aussi la reconnaissance à aller chercher cette spiritualité. Hein. Et puis, l'amour inconditionnel qu'on va aller chercher va nous faire travailler par l'amour de soi, l'affirmation de soi. Parce que pour s'affirmer, il faut s'estimer. On ne peut pas... si on n'a pas confiance en soi, qu'on ne s'estime pas, on ne peut pas communiquer nos besoins et les faire respecter. La connexion au présent, ça va nous permettre de ne pas anticiper au niveau des peurs. Parce que quand on est dans l'anticipation de la peur, on ne vit pas le moment présent. Et donc, on ne peut pas prendre les bonnes décisions. Parce qu'on va prendre des décisions sur des suppositions. Et la force de l'ancrage, c'est vraiment lié à l'enracinement. Donc, le fait de s'aimer, d'accepter son corps tel qu'il est, d'être vraiment connecté à la terre. Et alors, on voit que l'arbre, hein, il a les racines d'en bas et il va chercher aussi par en haut. Donc, il est connecté aussi à l'amour inconditionnel. Et donc, cette incarnation, c'est aussi lié au transgénérationnel parce que là, il va falloir travailler la blessure de rejet. Donc, tout ce qui est en lien avec l'ostracisme. Si je fais mes choix, je m'affirme et je fais des choix, je vais avoir des chantages. Mais parce que je m'aime, eh bien, je vais tenir bon. Et c'est comme ça que je vais pouvoir rester bien ancrée à ma réalité et être dans l'avancement. Et au niveau de l'amour de soi aussi, c'est de relier, de transcender cette profession avec tout ce qu'on nous a mis en tête, avec ces croyances qu'il faut gagner sa vie, il faut faire les choses comme on nous demande, il faut gagner autant, il faut gagner de telle manière. En étant dans la vocation, on est beaucoup plus lié à l'amour inconditionnel et on est là pour le changement sociétal. Et donc ça, c'est tout ça qui va nous amener à trouver notre sécurité intérieure. Et donc, comme on le dit, bah, c'est par la sécurité intérieure qu'on peut amener le changement. Hein. Et pas l'inverse. C'est pas en allant chercher la sécurité à l'extérieur qu'on va pouvoir faire du changement. Tout se travaille vraiment à l'intérieur de soi. Ça va? Alors, est-ce que tout le monde se sent bien dans cette configuration-là? Manon? Ouais, moi, j'ai envie de changer un petit peu de place certaines cartes. Dis-moi. Mettre l'amour de soi au-dessus de la tromperie. Oui. De rapprocher les peurs de l'humanité avec l'ancrage un peu plus près du centre.
Mmh. Ouais. Ouais. Et de rapprocher aussi vers le centre la carte du changement. Comme ça? Ouais, orientée dans le même sens que la force de l'ancrage, en fait. Comme si elle se faisait face. Donc, dans le même... Ouais. Ça? Ok. Et virer un petit peu la carte inondation. En fait, la sortir de... Enfin, la mettre... voilà, juste là. Parfait. Là, on la voit encore un petit peu. Voilà. Mais elle est plus loin. Mm-hmm. Attends, là. Ok. Olivier? Oui, mais ça anticipe en fait le fait que depuis tout à l'heure, je voulais virer cette histoire mm-hmm. d'inondation. Donc, effectivement, finalement, elle était restée là. Mm-hmm. Mais c'est très bien. Merci, Énergie 7, de nous en éloigner. Merci beaucoup. Ça correspond effectivement à ce que j'avais envie. Merci. Super. Carole. Attends, il faut mettre ton micro. Moi, j'aime bien comme c'est là. Ok. Super. Magali? Alors, moi, je changerais la carte de l'amour inconditionnel. Je la mettrais en parallèle de l'amour de soi. L'une à côté de l'autre, en fait. Pour comme faire ça. Vraiment... voilà. Mm-hmm. Une masse d'amour pour résoudre tout ça, en fait. Mmh. Voilà. Et là, je me sens vachement mieux. Super. Ok. Ok, Greta. Ah, je me sens mieux. Je suis soulagée. Mmh. On dirait qu'on me retire chaque fois des poids. Surtout depuis que... Manon, c'est l'humanité. Mmh. Oui. Ouais, depuis qu'elle a fait ses changements, et puis après, il y a eu encore un... Quand elle vient de parler, l'autre représentante, ça a été mieux aussi. Mmh. Je comprends plus, c'est plus clair. Ouais. Mmh. Ok. Il y a un dénouement. Mmh. D'accord. C'est Ségolène. Moi, personnellement, je suis super contente de la dernière carte qui est sortie, Amour de soi. Si on peut rester sur cette dernière carte, moi, je me sentirais super bien. Mm-hmm. Et finalement, peu importe les configurations des cartes, vu que cette dernière est sortie, je la trouve vraiment chouette. Donc, donc voilà. Parfait. Et Ama veut dire quelque chose ? Non. Non ? D'accord. Jessica ? J'ai vu que tu avais écrit hein, dans le chat, hein, Jessica. C'est bien. Si jamais on ne t'entend pas. Non, on ne t'entend pas. Si tu peux écrire dans le chat, c'est bien. Mounira, je ne sais pas si tu es encore là. Je pense que... Oui ? Non ? Bah, c'est Greta qui est apparue. Ok. Alors, si tout le monde est ok, ici, on a fini la constellation. Donc, de toute manière, vous allez... D'habitude, je fais une photo, mais bon, voilà, ici, comme on est en vidéo, vous allez la recevoir en vidéo. Donc, Jessica, tu te sens bien. Eh bien, c'est super. Donc, c'est important, à la fin de constellation, que tout le monde se sent bien. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de vous déconnecter de la constellation. Donc, vous pouvez le faire en frottant dans vos mains, en l'exprimant. Voilà, je me déconnecte de ma représentation. Vous pouvez un verre d'eau. Et donc moi je vais couper l'enregistrement et faire un petit tour de feedback avec vous pour voir s'il y a encore des questions. Ça va? Merci beaucoup en tout cas hein, pour cette belle constellation.